Allez, tac, c'est parti. Hop. Il en met un peu de temps à charger quand même le truc. Tac. C'est pas l'heure. Si tu viens pour moi, c'est pas l'heure. Peut-être que je pense à rouler quand même à droite un minimum, quoi. On va éviter de bouffer les feux, ce serait déjà pas mal. Puis alors je roule vraiment comme un gueudin en ce moment. Tac 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 tac. Hop. J'ai toujours trop de matos sur moi, c'est chiant à force. Ok. Hop. Oula. Il est où la banque? J'aurais dû passer de l'autre côté pour aller à la banque. Hop. Faut que j'aille voir combien j'ai sur le compte parce que je crois que j'ai plus grand-chose. Là j'ai plus que 2000 balles. Et sur celui-là j'ai 60 000. Ouais, ça va, j'ai encore un peu de sous. Hop. T'es sérieux, ça rentre même pas dans mon sac la tenue? Mais c'est quoi cette tenue? Je peux la rentrer nulle part. Ça, c'est nouvelle. Allez, va pour celle-là. Et celle-là, elle rentre dans mon sac ou pas? Celle-là, elle rentre. Donc c'est celle-là qui a un problème. Il me faut aussi à manger, à boire, c'est en haut.
été ravitaillée celle-là? Elle a pas été ravitaillée. Je crois que ça devrait être bon. Ouais, c'est ça. Tac, 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 tac. Ok. En douceur, s'il te plaît. Ah, puis je me le bouffe au rouge, quoi. Pas de frein par contre, hein. Allez. Le mobilier n'a pas assez de place. Il y a un problème avec ma tenue. 75 kilos, je peux pas la poser. Allez hop, il y a un problème avec la tenue, ciao. Bon bah du coup je peux m'habiller. Voilà. Allez, on va aller reprendre notre service. Normalement, je dois avoir un, voire deux clients. Qu'est-ce que j'ai mis de côté ici? Rien. Et là, j'avais rien reposé non plus? Non. Ok.
Alors, H-item. Donc, pour le premier, on a dit qu'il fallait mettre deux roues de secours. Ensuite, deux boîtes à outils. On regarde si tout est bon. On en a une ici, une là. Donc, non, c'est pas bon. Qu'est-ce qui va pas? Mes papiers d'identité. Voilà ce qui va pas. Qu'est-ce que j'ai fait de mes papiers d'identité? Je sais vraiment pas ce que j'en ai fait. Mais non, putain, c'est encore buggé. Fais des bêtises. Tenue à l'eau. On pose ça, on prend ça. Voilà, c'est plus buggé. Mais donc ouais, non, en fait, je sais pas du tout ce que j'ai fait de mes papiers. Va falloir que je retourne les chercher. Parce que normalement là j'ai mes papiers d'identité, là j'ai le reste. Donc il me faut. Quoique je les ai peut-être foutus là-dedans aussi. Con comme je suis. La BO. Non, bah j'ai plus rien là-dedans. Ok, on laisse la porte ouverte, ça ira très bien. On va aller vite fait s'occuper des messieurs. Microphone activated. Bonjour, bonjour. J'ai ouvert toutes les portes, j'arrive. À nous, la Subaru. Tac, et l'autre c'est. Hop là. Très bien, je vais m'en occuper tout de suite. Hop. Ok, on est bon. Hop. Tac.
Ok. Ok pour celle-là. Et celle-là, pourquoi est-ce que... Allez. Pourquoi elle veut pas monter celle-là? Ah si, ça y est. Hop. Ok. Microphone muted. Salut Pinoval. Qui a eu son code aujourd'hui? Ah bah GG si tu l'as eu. Microphone Bon, une activated. fois que le diagnostic est lancé, je lance les réparations et puis d'ici normalement 20 minutes, ça devrait être bon. Ok. Ça roule. Microphone Je vais muted. attendre ici de toute façon. Microphone activated. D'accord, pas de problème. Ouais, ça va être rapide. Ouais, je vais faire des petits papiers de la paperasse pour l'entreprise. Microphone muted. 4 fautes. Ah ouais, c'est. C'était dans la liste. C'est 5 fautes, je crois, non? Maintenant. Oui, remarque maintenant. Ouais, non, c'est toujours 5 fautes en fait. C'était déjà 5 fautes, je crois, à mon éve quand je l'ai passé. Je sais pas, ça fait tellement longtemps. Hop. Il me reste quoi? Me reste deux moteurs. Donc là, c'est un moteur qui a été embarqué. Hop. Ok. Hop, c'est lancé. Microphone activated. Microphone muted. Hop. Maintenant 20 heures de conduite avec la prof et après je pourrai conduire sur la route. Ouais. C'est quoi qui me manque là déjà? 1, 2, 3. Donc les réservoirs c'est bon, les boîtes à outils c'est bon, les deux roues de secours. Il me manque une carrosserie et deux moteurs. Et des pare-brises.
7 et 1, 8. J'ai 8 pare-brise. Trois réservoirs. Allez, il me manque mes papiers. Parce que je n'ai plus mes papiers. Il va falloir que j'aille les chercher. Mais non. Puis il va falloir que je prépare la dépanneuse aussi. Microphone activated. Microphone muted. Hop. Il aurait quand même pu passer dans le bon sens de circulation. Microphone activated. Que je vérifie. Ouais, c'est ça. Hop. Je vais préparer mon camion en attendant. Microphone muted. Hop. On va en profiter pour revérifier tout ça. Tac 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 tac. Donc il me faut de chaque. J'ai pas la place pour cet item, t'es sérieux? Il me faut j'ai pas. Ça c'est bon. Il me faut donc les 4 triflashs, ils y sont. Panneau déviation, ils y sont. Il me manque 15 cônes. Ben non, les panneaux déviation, je les ai pas mis, j'avais pas de place. J'ai pas de carte bancaire. Il va falloir que j'aille chercher ça. Microphone activated. Microphone muted. Et là, forcément, je vais pas pouvoir retirer parce que j'ai pas ma carte bancaire, c'est ça. C'est ça. Bon, après, il va falloir que j'aille à le palais.
Tac. Tac. Microphone activated. Dites-moi. Les papiers d'identité, c'est qu'à l'autre palais qu'il faut aller les récupérer, c'est ça? Ouais, ouais, tout à fait. Ok. Est-ce que j'ai perdu mes papiers? Ah, c'est bête ça. Je sais pas ce que j'ai fait. Je les ai peut-être rangés quelque part, mais je sais pas où. Ça, c'est problématique, ouais. Bah ouais, parce que du coup, j'ai pas mon permis sur moi, j'ai pas ma carte bancaire. Donc il va falloir que j'aille chercher tout ça. Non, encore pour combien de temps? Encore 5 petites minutes.
Microphone muted. Hop. Encore quelques secondes et ça va arriver. Microphone activated.
Hop, normalement ça devrait être bon, non? Ah, quelques secondes. Ouais. Allez, finis-toi. Bonjour monsieur. Bonjour. C'est pour. J'avais voulu une information, savoir si vous aviez une Mégane RS noire en fourrière. Alors, j'ai regardé ça. Voir si j'ai la plaque. Je n'ai pas de Mégane RS noire. Ok, merci. Je vais passer à RSDP. Ouais, je pense que c'est eux qui l'ont. Ouais, bonne journée. Bonne journée à vous. Bon alors, ça y est, c'est fini. Yes. Alors, hop. Donc celle-là, c'est pareil, elle doit être finie. Allez, on descend. Tac. Et de une. Hop. Et de deux. Hop. Et voilà, monsieur. Je vais juste refermer celle-là pour être sûr qu'elle ne bouge pas. Hop. Voilà, c'est fait. De rien, bonne journée à vous.
Tuk 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 tuk. Oui, donc moi il faut que je referme tout et que j'aille à le palais. Hop.
Alors le palais, ça pique un peu les yeux quand même. Hein. Ça y est, je l'ai chargé. Faut le temps de le charger en fait. Une fois qu'on a chargé le palais, ça va beaucoup mieux. Peut-être baisser un peu la radio. Sinon, je vais me faire peur à chaque fois que je vais appuyer. Hop. Récupérer ma carte, récupérer permis. Ok. Faut que j'aille récupérer ma carte bleue. Là, ils roulent un peu moins vite les gens. On est sur un parking. Microphone activated. Microphone muted. On est mute. Hop. Je
Du coup, il a ouvert. Hop. 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 Comment ça, j'ai pas ma carte bancaire? Mais ça commence à être casse-pied. J'en ai ras-le-bol. Ah, du coup, il est parti. Je viens d'aller l'acheter, mais c'est pas grave. On va aller redéposer ça, on va aller retourner là-bas. Je commence à en avoir ras-le-bol. Tenue à l'EDEP, on la pose. Chaque fois, je me fais avoir. Merci.
Voilà. Là, je l'ai. Oui, tout à fait, sans toucher. Allez, c'est parti. Une roue en plus, donc j'en ai trois. Tac. Je me rappelle plus.
Microphone activated. Bonjour, bonjour sur Quartz. Bonjour messieurs. Bonjour. C'est pour des peintures. Affirmatif. On est arrivé, mais en plus, quand vous avez mis le poids, je suis arrivé tout pile. C'est mon collègue qui a dû le mettre. Ah. Hop. Ah, c'est vous qui m'avez, c'est pas vous qui m'avez fait la couleur la dernière fois ? Alors ça dépend, c'était pourquoi ? Bah. Ça ? Non, c'est pas moi, c'est un... c'est mon collègue. Non, bah je cherche le gris Mercedes. Alors le gris Mercedes. Bah c'est pas vous là qui m'avez fait aussi la peinture de la F2 là ? Couleur bleu, bien boulé. Ça si, ça doit être moi. Ouais. Ouais, c'est Brian Scaletta. Non, c'est pas moi. Bleu BM, c'est pas moi. Ah. J'ai fait un bleu sur une Mercedes qui était plutôt pas mal. Ouais. Bah ouais, moi je cherche un gris spécial un peu. En fait, je sais pas si vous avez eu le reportage de Top Gear sur ce véhicule. Non, je l'ai pas vu. En fait, il a un gris très spécial, spécifique au G66 en fait. Parce que sinon, il y a aussi le G63 qui a une grille un peu spéciale. Mais là, c'est vraiment un gris spécial au 66, on va dire. C'est un G63 aussi. Hein. Plus oui, spécial. Mais c'est un 66. Le G63, 66. Ouais. Mais c'était spécial, spécifique à ces deux véhicules, en fait, à la base. Un espèce de gris ouais, assez mat. Pas mat, brillant. C'est un gris brillant un peu, c'est, en fait c'est entre le mat et le brillant en fait, c'est un semi-brillant on dirait. Bien foncé. Ouais, attendez, bah vous arrivez à trouver, attendez. Mercedes G63 66. Hop. Parce que là j'en ai un qui pourrait aller. Vous avez le Bluetooth ? Ouais. Alors attendez, je vais vous envoyer au pire la vidéo, je sais pas si vous arrivez. Alors, hop, c'est quoi votre Bluetooth ? Alors mon Bluetooth, compliqué d'arriver à se retrouver dans tout ça. Ouais, moi je dois être quelque part en haut. Oui, je suis en haut. ASK. Voilà. Tac. C'est un peu bizarre. Alors attendez, je sais pas. Je vais essayer aussi de trouver une Mercedes. G63 66. Normalement on trouve quand on marque ça. Dans image. Oh j'ai bah nickel, hop j'ai la couleur. Dans l'image j'en ai un ouais en couleur gris foncé, assez foncé. Ah ouais c'est. L'image je vois à peu près la couleur. Bonjour. Bah, c'est cette couleur là. C'est Monsieur Hart comme moi ? Non, c'est pas Monsieur Hart. Ah, c'est pas Monsieur Hart. C'est pas Monsieur Hart, non. Hop, alors on va regarder ça. Mais je crois que ouais, c'est celui que j'ai trouvé aussi. Ouais, c'est ça, ok. Ok, bon, on va essayer de voir si on peut arriver à vous le trouver. Hop. Donc ce gris là, essayez, j'ai peut-être un coup de couleur que j'ai trouvé sous couleur HTML. C'est 176. C'est peut-être une petite base qui mériterait d'être un peu explorée. Non, non, mais attends, non ça fait très blanc. Moi, celui que j'ai qui pourrait aller, ce serait 206, 206, 206. Non, il est encore un peu trop clair. Ouais, bah essayez 113, 113, 113. 113. Là, je pense qu'on va rester un peu de temps sur celle-là. Ah, on se rapproche. Ça se rapproche, ouais. Ouais, on se rapproche. Peut-être un peu plus sombre encore.
faire un petit peu plus sombre, ouais. Attendez, je vais prendre la couleur sur les yeux. Non, là, il tire sur le rose. Un plus foncé, j'ai 90, 390. Oh, tiens le bon bout, là. Est-ce que je lance le CBTA? Test radio. Là. Et attends, dis-moi, tu peux passer ton. Attends. Ouais, c'est reçu sur Quart. C'est bien pris, comment il va Loïc? Pris sur une peinture, mais ça va. Sinon. Moi j'arrive, je vais aller chercher un véhicule. Sinon j'aurais peut-être celui-là en un chouïa plus foncé. Je sais pas, je suis arrivé au garage, j'étais tout seul, t'es arrivé il y a combien de temps là? Celui-là? Sinon j'en ai un qui pourrait être un chouïa. Ouais non, il serait beaucoup trop foncé. Ouais, attendez, juste regarde, t'en dis quoi? Est-ce que pourquoi ça te rapproche ou pas? Ouais, je t'ai envoyé une photo là. C'est comme ça que je le veux. Ouais, c'est moi, ça me croche à l'état. Vas-y, réponds tout. Si, rappelez le point. Attends, fais voir. Ouais, on a celui-là, sinon après T'as dit quoi de sa bêta? Moi, je dis qu'on ça va proche. Hein. Pour toi, est-ce que c'est plus sombre ou plus clair? Mais toi, tu veux rester dans cette couleur, dans ce comment dire? T'as gris, c'est le même que... Oui, non, d'accord, mais je veux dire... tu veux rester sur cet effet-là? Ah ouais, bah oui. Ok. Là tu te bats moi j'aurais dit fonce un peu plus parce que là en journée tu vois le... Ouais, moi je dis en journée, bah regarde derrière. Tu m'entends? Ah ouais, mais je peux pas lui répondre. On garde du coup cette couleur ou on essaye un petit peu plus foncé? Attendez, je vais vous donner un autre coup de couleur un peu plus foncé. Loïc 72. Je voulais vous faire un peu chier avec les couleurs, mais j'essaie de vraiment bien m'en rapprocher. 72. Ouais, c'est à peu près la même chose là. C'est quoi là? Ouais, c'est un peu pareil. Là, c'est pratiquement la même couleur, ouais. Ouais, bon, pire. Moi, je suis dit. 90, 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 90
72-72, encore un chouïa foncé. Ouais, bah du coup 58-58-58 si on peut encore plus foncer. 58-58-58, ça risque d'être un chouïa trop foncé peut-être, non? Bah on va essayer, mais faut voir, parce qu'en fait j'utilise couleur HTML pour essayer de trouver des couleurs avant de venir. Là ça fait très foncé. Quoi. Bah, sur la photo, il est quand même... Ouais, là ça fait trop foncé en fait. Ouais. Après, on a peut-être celui-là qui pourrait être mieux. Voilà, c'est rose. Ouais, on peut partir peut-être sur la base 72-72, mais. Ouais, un peu plus. Ouais, la couleur 72-72-72, elle était parfaite, mais un peu plus foncée, ça aurait été pas mal. Ouais, parce que là c'est. Touk-touk-touk. Ouais. On pourrait faire quoi pour que ce soit un chouïa plus foncé? Chouïa plus foncé? Ouais, vraiment un chouïa, ouais. Soit tu. Je peux essayer de le mettre en 80. 83. Là, ça tire vachement sur le rose, ouais. Vachement. Tac. Non, là, là, t'es n'a pas brûlé, on a lui, on a les pompes, là, nous. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il doit gratter quoi? Moriarca. Comme ça? Pourquoi tu as un acheteur pompe ici? On peut sortir pour voir ce que ça donne au soleil. Ouais, on peut la sortir pour. Ah oui, Ben. Hop. Loïc. Hop. Ouais, je t'écoute. Ah bah enfin. Ah ouais, mais dans la peinture, on peut pas répondre. Mort de rire. Je te disais, ça te dérange pas de reprendre le nu. Voilà, j'arrive plus à parler moi.
de reprendre le téléphone. Non, je finis juste la peinture et je reprends le téléphone. Je te remercie. Parfait. Comme ça, ça vous va? Mais quoi, très moche, t'as dit? Non, on est très proche, on est très proche. J'ai compris, t'es très moche. Non, bah, franchement, on pourra pas faire plus, hein, je pense. Ça va être compliqué. Ah ouais, bah c'est bon, on va rester sur ouais, ça, du oui, coup. Parce que là, déjà, on est sur du 75-75-75. Si je bouge un peu trop, ça tire sur le rose. Ouais. Donc c'est problématique. Et si je le baisse un petit peu, on tire sur le bleu. Bah ouais, bah du coup, je vais le garder comme ça. Hein. Alors, peinture... Bah depuis que on va dire j'ai eu de la chance. Ah ouais? Ouais franchement sur un gros coup de cul et de malentendu je l'ai eu. Donc c'est quoi votre nom? Ouais Scaletta, je vous donne la plaque aussi. Ouais, alors attendez, c'est Adriano c'est ça? Non Brian Scaletta. Brian. Mais j'ai l'impression que j'ai des frères mais je les connais même pas. J'ai des cousins éloignés peut-être. Ouais c'est bon. De TA? Alors, la plaque c'est UY. UY 007 JB. Hop. Je vais juste le garer comme ça, je gêne pas. On va en racheter un, je sais pas. Je ferais faire des économies. Qu'est-ce qu'il fait? Il me tente ce con. Ah, il s'en va pas. Bonjour. Hey, bonjour. Mais, Mike, oui, dites-moi. Hier, je me suis ramené avec, hein. Hier, je m'étais ramené avec, hein. Hier, mais j'étais pas là hier. Ah, oui, c'est vrai. Mais du coup, ouais, en fait, je l'ai eu sur un gros malentendu, en fait. Encore une fois, ouais, pour vos véhicules, vous avez sûrement un malentendu. Ouais, j'ai l'impression que les malentendus cachent quelques gros fusils d'assaut. En fait, je vous explique. Attention, monsieur de Fast Repair. Ah ouais, mais je suis sur les factures, là. Ah oui, ok, ouais. En fait, je vous explique, monsieur Johnson, en fait, il y a à peu près ouais, un bon petit mois, il y avait une personne qui vendait le G, justement, la personne en question, qui me l'a vendu au final. Et en gros, il disait... Ce G-là ou... Ouais, ce G-là. Et en gros, il me disait, ouais, propose combien et tout. Et en fait, il m'a pas répondu depuis un mois. Et là, il y a 2-3 jours, là, il me dit, ouais, vous avez toujours les 2 millions, on peut peut-être s'arranger. J'ai dit, ouais, en fait, il me reste plus qu'un million. C'est le GL63 ou le G63? Le G63-66. G63. Ouais. Et en fait, je dis, ouais, mais il reste plus qu'un million 8, quoi. Et j'avais vraiment pas lié à 1 800 000 sur le moment. Et en fait, bonjour monsieur. Il dit bon vas-y, on va faire la 1 800 000 mais maintenant. Et en gros c'est simple, j'ai vendu ma Chiron en 10 secondes. Je l'ai vendu à Kicker et je me suis... Vous avez vendu la Chiron? J'ai vendu la Chiron en 4ème vitesse et je suis allé chercher ça. La Chiron. Ah la Chiron, okay, je l'ai vendu en 4ème vitesse. Alors du coup, la facture de la peinture. Et j'en ai rien à faire, ça vaut 10 millions. Ah, je suis en bénéfice de au moins. Alors, tac. Alors, où est-ce que. C'est ça le vendeur, hein. C'est l'arnaque, hein. Hop, voilà, monsieur. Ouais, c'est reçu, je mets mon numéro. C'est bon, il est. Hop, alors, hop. La voiture là que j'ai ramenée, laisse, je vais m'en occuper quand je reviens. J'en ai pour 2 secondes. Reçu. Alors. Bon. Tac. Ah, je pensais que c'était plus cher la peinture quand même. Non, parce que ça reste une peinture classique. Ah, ça reste une peinture classique? Ouais, c'est ça, c'est une peinture classique qu'on a fait là. Non, après, en fait, là vous avez mis sur les véhicules, en fait, il est, comment dire, au niveau de combien, au niveau de l'argent? Pour. L'argent, parce que je sais que peut-être la peinture, elle se fait pas au niveau de l'argent aussi, c'est des prix plus grand cher. Ouais. Non, j'ai pas de... Hier, en fait, j'étais venu faire ma peinture, en fait, la personne, là, je crois, il y a une personne d'ici qui m'avait demandé, en fait, de faire la liste des véhicules, en fait, et des prix. Et en fait, du coup, hier... Oui, c'est vu. Là, je lui ai dit qu'en fait, je gère pas ça. Ah ouais. Raté. C'est qui Mike, vous a demandé? Je sais pas. En tout cas, c'est quelqu'un qui travaille ici. Et okay, ouais. Monsieur Mike a dit qu'il s'en charge. Du coup, moi, je me mêle pas de. Vous êtes, monsieur comment? Hop, tac. Non, mais c'est pas ce monsieur. Pour moi, c'est monsieur Zentiva. D'accord, vous travaillez ici, mais vous êtes pas ni PDG ni co-PDG. Non, je suis juste employé. D'accord.
Et moi, il faut que je voie monsieur Delarue et monsieur. Monsieur Hart, c'est ça, Lorenzo Hart? Oui. Ouais. Ensuite, il faut. Et Alexandre, sur un gros malentendu, j'ai perdu quand même 150 000 au casino. Hop, voilà. Donc, peinture suivante, monsieur. Hop. Donc, vous, c'est quel type de peinture? Alors, moi, j'aurais peut-être une idée d'un noir mat. Voir un peu tester ça dans le chat, mais c'est sur cette voiture. Un noir mat? Ouais, un noir mat léger ou un noir mat complet. Ou même en brillant, histoire de voir tout ça. Alors, un petit noir mat, ça donne. Tac, tac, tac. Alors, un noir mat léger, ça donne ça. Sinon, après, on a un mat classique qui donnera ça. Ouais. Et sinon, en brillant? En brillant, on aurait ça. Après, le problème, c'est que c'est un peu plus clair au niveau de là. Vous savez faire un noir carbone comme le capot? Un noir carbone? Comme le capot, c'est possible. En brillant. C'est un noir un peu plus clair. Hop. C'est un noir avec un peu plus de bleu. On pourrait vous mettre un petit 22 là-dessus. Et on pourrait vous le mettre en mat léger. Non, c'est peut-être un petit peu trop bleu même. Ouais, moi je le vois absolument. Ouais, il est violet. Tac, ouais, non. On aurait quoi du coup qui pourrait aller avec On aurait peut-être. Un petit noir comme ça? Il tire sur quelle couleur là? En brillant. Hop, en brillant. Il me faudrait quelque chose qui sera. Venez une fois devant le. Vous savez la mettre en noir et puis venez voir comme ça. Vous voyez un peu. Vous le voulez comment du coup? Si vous venez à ma place, vous verrez. Ah, attendez, hop, je vais appliquer. Je trouve en noir, c'est un peu trop de noir, je trouve, ça bêta. Ouais, donc il faudrait que ce soit un noir qui tire un petit peu plus sur le gris. Ok. On va essayer de voir ça. Je peux rajouter mon grain de sel noir sur noir par rapport aux lignes. Ça fait un peu trop, je trouve. Ça gâche un peu les lignes de la voiture. J'ai l'impression. Hop, ça donne quoi ça? Encore un chouïa trop foncé. On va vous trouver une couleur qui va, vous inquiétez pas. Peut-être un noir ardoise qui tire sur du gris. Hop, on va tester ça. Alors. Ça tire peut-être un petit peu trop gris, ça. Sinon, on aurait celui-là. Là, il est trop clair, non? Là, il est encore un peu trop clair. Oui. Là, on doit s'en rapprocher un peu, non? Ah, oui. Un chouïa plus foncé. Hop, on va vous mettre ça, un petit chouïa plus foncé.
On est dans les bons tons là. Oui, on y est presque, hein. On va essayer de vous mettre un tout petit peu plus foncé. Hop. Ça donne quoi ça? Vous en pensez? Ouais. On va essayer de vous passer ça un tout petit peu plus clair quand même, parce qu'on est peut-être un petit peu trop foncé. Ouais. N'oubliez pas la couleur. Hein. Si je le mets comme ça, comme ça, comme ça, on est bon là? Hop. On est sur quoi? Alors là, je suis trop clair. Hop. Bah voilà, on est sur la pratiquement la bonne couleur. Je crois qu'on pourra pas avoir mieux là. Je peux pas mettre du noir sur une ferraille, c'est impossible. Impossible. Non, non, non. Ça vous va comme ça? Ah oui, oui, ça me va. Pour moi, c'est soit gris ou soit rouge. On pourra faire ça. D'accord, donc hop, on va faire votre petite facture. Facturation peinture, tac. Ouais, ouais, je sais. Mais il faut savoir si tu démarques des autres. Bah, mais Abdel, ça te dit de taper un barbecue chez moi? Je pourrais avoir votre prénom et votre nom? Tsabita Abdel Karim. J'ai un contrat chez vous, moins 25. Un contrat, moins 25. Hop, c'est noté. Tsabi, alors, oui, parce que. Ah, ok. Avec plaisir, hein. Je parlais pas avec plaisir. Ah, quoi? Je disais avec plaisir. Hein. Ouais. Tu m'entends? Bah, c'était chaud, ouais, ouais, ouais. Ouais. Bah, je vais bah, là, je vais juste l'emmener vite fait, même parce qu'il regarde vite fait le catalogue. Et après, on va direct à ma maison, là. Allez, ça va. Ouais, si tu veux nous suivre au pire, parce que là, après, il faudra juste qu'on aille chercher. Tu vas aller où, la MM? Ouais, ouais, là, on va aller à MM à Locke, et après, on va décaler sur le marché de Locke, et après, on part à ma maison. Et ben là, je vais vite alors à LP, je récupère juste alors les habits. Ok, pas de soucis. Mais change, okay. Pardon. Ferrari, alors c'est laquelle celle-là? Mansory. 488 Mansory. Vas-y, nous on va décaler, je t'appelle. Ça marche, à tout à l'heure. C'est toi qui l'as vendu? Hop. 488 Mansory. Donc c'est une peinture classique. Tac, tac, tac. J'espère que ça va bien sortir dehors. Il n'y a pas de raison que ça donne mal. Oh, j'espère. Alors, hop, ça vous fait une facture à 4500. Ah bon. Alors, hop. Hop, et voilà monsieur. S'il vous plaît. Parfait. Je vais vous ouvrir devant. Hop. Merci. Hop, de rien, bonne journée à vous. Ok, parfait. T'en es où toi du coup? Je vais ouvrir les portes s'il te plaît. Ouais, je vais te les ouvrir. Allez, hop, c'est parti. Hop, toutes les portes sont ouvertes. Ah ok, donc cette fois-ci on a RS dépannage qui est ouvert, tant mieux. Ça nous fera que la moitié de l'île, ce sera peut-être un petit peu moins surchargé. Ouais. D'ailleurs à le palais il y a un véhicule, je sais pas s'il a été récupéré. Non, il y est toujours. Tu peux y aller. Du coup on le fait le palais? Je sais pas. Parce que sur le papier que j'ai il y a marqué sauf LP.
On fait le sud sauf LP. LP, ça doit être pour RS dépannage. Non, nord égale RS. RS dépannage, sud c'est nous. Face repair sauf le palais. Ouais, il y a marqué sauf le palais. Face repair, j'écoute, bonjour. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Victor Murat, communauté de communes, administration pénitentiaire. Oui. On a eu des problèmes avec des véhicules dans notre cours. Ouais. D'accord, très bien. Bah écoutez, on arrive tout de suite. Je vous remercie. Donc c'est deux véhicules, enfin celui lourd, il y a un 22 et un 5008. D'accord, donc c'est au niveau de Le Palais, c'est avant d'arriver à Le Palais ? Non, non, c'est à la prison, à Souvigny. Ah, à carrément à la prison ? D'accord, très bien, bah on arrive. Je vous remercie. A tout de suite. La prison à Souvigny. Deux véhicules à récupérer à Souvigny au niveau de la prison, ils gênent. J'aime bien, j'avais pas ma radio désactivée, je t'entendais quand même bizarre. Ah, ouais, du coup, je te disais sur la prison, il y a deux véhicules qui gênent qu'il faut qu'on récupère. Une deuxième dépanneuse. Ouais, je vais la sortir tout de suite. Hop. On va mettre ça là, du coup, on va y chercher. Hop. Tac. Garage entreprise. J'attends que le diagnostic soit fini pour lancer la repa. Face repair, bonjour. Allô. Oui. Oui. Alors, excusez-moi de vous importuner. J'ai un petit souci là dans ma propriété. J'ai un véhicule qui est abîmé. Je pense qu'on va le dégarder. Oui. Je voulais savoir justement si vous pouvez faire déplacer un dépanneur ou quoi que ce soit. Alors, oui, d'ici 5 minutes à peu près, ça vous convient? Alors, à quel niveau ça se trouve? Alors, juste avant de tout ça, en fait, j'ai rangé mon véhicule dans le garage, sauf que je peux plus ressortir, j'ai pas la monnaie sur moi. Ah, ouais. Un problème du coup, ça, ou... Ah, bah oui, il va falloir quand même le sortir si vous voulez qu'on puisse le récupérer ou le réparer. D'accord, parce que le problème, c'est que j'ai pas de distributeur pas très loin de chez moi. Ah. Parce que si le dépanneur il vient et que je le sors, c'est pas possible qu'il me dépanne l'argent pour le sortir et je lui rends justement avec l'intervention justement. Je vais voir ça avec mon collègue. Je vous demande de patienter 2 minutes. Très bien. Question, il y a un monsieur qui a rangé son véhicule, qui est abîmé, il a pas fait exprès de le ranger. Le truc c'est qu'il a plus d'argent sur lui et il voulait savoir s'il serait possible que quand le dépanneur vienne. Le fait de lui dépanner l'argent pour qu'il le sorte et on rajoute l'argent sur la facture. C'est faisable ça pour les dépanner? Non. Non, c'est pas faisable.
Faut qu'il se démerde à aller jusqu'à un... Des calculs automatiques. Ouais. Des calculs automatiques dans le doc. Ok, ok, ok. Ouais, donc je viens de voir avec mon collègue, ça va pas être possible. Hein. Il va falloir que vous trouviez le moyen de récupérer l'argent de façon à pouvoir... pour pouvoir faire sortir le véhicule. Bah il est chez lui en fait. Et apparemment il a pas de distributeur à côté. Il habite où, monsieur ? Vous habitez où, monsieur ? Monsieur ? Monsieur ? Allô, monsieur ? Bon bah le monsieur répond plus au téléphone, du coup bah j'ai raccroché, il rappellera au pire des cas. Ouais, attention, j'entends de l'écho. Ah, désolé. Ou alors j'attends. Ah, bah il rappelle. Allô ? Allô ? Oui. Oui ? Oui, c'était vous tout à l'heure au téléphone ? Oui, je pense que ça a coupé. Oui. Ouais, donc du coup, comme je disais, où est-ce que vous habitez à peu près au niveau de la ville ? Alors, je suis alors pas très loin de Chemille, vers le lieu dit Tremblay. Vous voyez ce que... Vers lieu dit Tremblay. Ouais, c'est le lac, la résidence du lac, je crois que ça s'appelle. Ouais. Alors, vous voyez par exemple la pâtisserie gourmande ? Oui, je vois la pâtisserie gourmande, oui. Voilà, bah vous redescendez. Vous redescendez comme si vous alliez faire des cailloux. Ouais. Vous voyez, là il y a une résidence avec plein de ronds-points. Oui. Et bah je suis ici moi. Ah oui, d'accord. En 08 52 15. Et en effet, et c'est compliqué pour pouvoir trouver le moyen d'aller chercher de l'argent. Parce que là à côté il y en a pas. Bah c'est ça le truc, c'est que en fait moi j'ai pas réfléchi. Je me suis réveillé de ma sieste et j'avais laissé mon véhicule devant. On me l'a dégradé, alors le moteur il est dans l'orange, j'ai fait ce que je pouvais parce que bon, j'ai des outils dans le garage. Ouais. Le moteur il est dans l'orange, et je l'ai rangé dans le garage pour me dire bon bah vas-y je vais pouvoir réparer tout ça, mais j'ai rien pu réparer sauf que je peux plus le ressortir quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je vois bien. Bah écoutez, ce qu'on peut faire c'est que d'ici à peu près 5-10 minutes, je verrai pour passer. Je vous déposerai à la station totale de façon à ce que vous puissiez retirer l'argent et sortir votre véhicule. Ok, bah merci. Vous pourrez intervenir sur le véhicule du coup ou faudra le ramener au dépanneur Si le moteur est en orange, de toute façon, faudra qu'on le ramène sur le garage. Ah, ok, très bien. Bon. Très bien, voilà. Bah, écoutez, je vous attends de toute façon et je vous remercie beaucoup en tout cas. Ouais, y'a pas de quoi. Merci beaucoup. Au revoir, à tout à l'heure. Bon, du coup, je décolle pour la prison. Ouais, t'es en haut-parleur ou quoi? Parce que je t'entends comme si t'avais mis le haut-parleur. Ah non, j'ai pas le haut-parleur. Ah, c'est bizarre comment je t'entends ça. Non, mais. Et là, je suis éloigné, tu m'entends toujours bizarrement? Oui. Ouais, alors c'est pas moi, c'est peut-être toi. Comme si t'es en haut-parleur. Ah, mais c'est peut-être toi du coup qui est en haut-parleur. Négatif, j'ai demandé, ils entendent pas la radio. Ouais, bah c'est bizarre. Alors là, je suis à Blamont. Ouais, faut que j'aille jusque là. Je crois qu'il y a des petits soucis.
Je crois qu'on a un petit problème. Attends, je vais me mettre sur le côté quand même parce que c'est problématique. Bon bah du coup vu que ça crache, on va passer sur celui-là en attendant. Hop, on va en profiter du coup pour rechanger les accus.
Hop. Et je peux plus me connecter. Ah bah oui, forcément.
Ok, il est pas là. Tu test radio. Ah oui, d'ailleurs, il faudrait peut-être que je pense à repasser sur l'autre, moi. Hop, voilà, ça sera mieux. Du coup, faut que je retourne chercher ma dépanneuse. Parce que je vais pas laisser ma dépanneuse au beau milieu de nulle part. Donc, normalement, ma dépanneuse est quelque part là-bas. On va voir ça. Elle est là. Microphone activated. Test radio, t'es là? Faut que vérifie, ouais, c'est bon. Du coup, le moteur démarre tout seul. Hop. Du coup, faut que je remette tout, les gyros et tout. Du coup, c'était là qu'il fallait que j'aille. Allez, on est reparti. Ah bah, ça a réparé les gyros. C'est un bon point. Heureux. Ah, je vais remettre le point. Je me gare juste sur le bas côté. J'ai bien ce que je dis, c'est toi qui as un problème. Bah pourtant non. Je t'entends comme si
t'avais voilà. Je suis en robot. C'est pas vraiment robot. Bah je vois rien moi qui peut poser problème. Ah. On est pas dans la merde. Quoi? J'arrive pas à lancer la réparation. Elle est peut-être toujours lancée. Négatif. Normalement je le verrai, mais il y a rien sur l'ordi. Quand j'interagis, il y a rien. Ça a peut-être planté dans ce cas. J'essaie de la redescendre, je vais voir. Les 22 mètres cubes, on peut les déplacer avec le, avec la dépanneuse. Oui. Mais je pense que c'est toi, t'as un problème, vérifie parce que je t'entends vraiment comme si t'avais un double derrière. Comme si j'avais un truc derrière. Oui, comme si t'étais en double. Je vais vérifier ça. Il a totalement explosé. Juste pour une demande d'information, les véhicules qui sont tout rouge, on en fait quoi? Je sais pas, attends deux secondes parce que ça m'énerve ton truc là. Hop. Mais je vois pas de quoi il parle en fait, j'ai rien qui peut me faire double. Double voix, j'ai rien. C'est là que ça aurait bougé? Non, je pense pas. Test, alors attends. Test 1-2. Bah non, pourtant. J'ai pas d'écho. Redis. Hop. Les véhicules tout rouges, on en fait quoi? Comment ça? Tout rouge, tout est rouge, tout est rouge. Tu l'accroches et tu le ramènes. Hop. Tac, voilà. Par contre, avec la tempête surprise, on a eu une bonne nouvelle. Quoi? Les gyros de la dépanneuse refonctionnent correctement. C'est très bizarre, je t'entends grave fort et comme s'il y avait un gros écho, un gros truc. Ça fait très bizarre. Je vais regarder ça après. J'arrive.
j'arrive pas à comprendre pourquoi il y aurait un écho. Je le cale où? Parking? Nope. Hop. Il est dead. Ah ouais, il est dead. Hein. Ouais, il est dead de chez dead. Mets-le là, le long par là, là, quelque part sur la... Mets-le là, entre les arbres, sur la terre, là, ici, là. Ok. On s'en occupera, voilà. Parle voix. Test. Ouais, bizarre. Ouais, j'ai regardé, mais c'est bizarre parce que j'ai pas touché à ma radio, elle est toujours pareille. Ouais, mais bon, ça peut provenir de ta radio TS. Ouais, mais celle-là, j'y ai pas du tout touché, hein. C'est toujours la même. Ouais, bizarre. Je t'entends pas comme hier là, je t'entends vraiment. Bon, on est dans une merde de dingue. J'ai une voiture sur le pont et je peux pas la redescendre de rien. J'arrive, je vais essayer. Ah mais ça fonctionnera mais après la tempête je pense. Ouais, je crois que le pont est coincé avec la tempête. Ouais. Alors attends, je vais regarder vite fait ça là. Pourquoi est-ce que... Pourquoi je serais en double? Là je t'entends très bien, mais sur la radio c'est horrible. Ah, sur la radio seulement? Alors attends, on va regarder ça. Là je t'entends très bien, mais c'est sur la radio c'est horrible. Là, reparle. Est-ce que c'est mieux là? Là. Toujours pas? Là je t'entends très bien, mais sur la radio je t'entends hyper fort et ça fait un son horrible. Ah ouais, mais malheureusement la radio, je vois pas ce que je peux faire dessus moi. Attends, je vais tester un truc. Ah, je peux même pas. Est-ce que là je pourrais faire quelque chose?
Et là, si je parle comme ça, c'est bon? Ouf. Non, c'est très bizarre. Ouais, parce que normalement, je suis comme ça. Je vois pas trop ce que je peux faire de plus. T'es sûr qu'on t'as pas mis le haut-parleur ou une connerie dans le genre? Alors, rien du tout. Ouais, c'est bizarre. La radio, elle me défonce les tympans. Attends, je vais faire un truc vite fait, je vais remettre déjà le point. Hop. Alors, tac, tac. Où est-ce qu'il est, lui? Il est là. Oula, 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 oula. Bon, je crois que je vais aller chercher le véhicule à le palais. Personne n'y va, on n'est pas dans la merde. Essaye de m'appeler sur le téléphone pour que je vois si je peux passer en haut-parleur recoupé pour de façon à essayer de voir ce que ça donne. Ah ouais, mais non, moi ça me pose des problèmes après. Mais non, mais pour moi, moi je passe en haut-parleur et j'enlève mon haut-parleur. 06 14 ouais. 89 24 ouais. 13. Il y a un véhicule à aller chercher. Alors, tac. Hop. Ah. Test 1, 2. Non, je t'entends pas, moi. Ah. Test 1, 2. C'est bon ou c'est toujours pas bon? Sur la radio. C'est bon? Non, je t'entends plus radio. Tu m'entends plus du tout radio? Attends, parle. Test 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et voilà, ça m'a posé le problème. Putain. Putain, mais c'est pas possible. Non, mais je t'entends du côté. J'entends pas de. Ah, mon oreille droite, j'entends rien. Bon, je reviens, je m'endors. Ah, laisse. Ouais. Ouais, faut juste que je retourne prison pour le deuxième. Ouais, mais plus important c'est le véhicule immobilisé, ouais, on ira après. Ouais, ouais, ok, ça marche, va à la prison, bon, je reviens. Ok. Tac. Oups, j'ai oublié d'enlever ça. Parle pas. Test radio. Alléluia. Ah, donc le problème venait pas de ma radio. Si. C'est quand je t'ai appelé sans enlever le truc. Ok. Ne pas te mettre au parleur parce que après les oreilles aillent. Mais je l'avais pas utilisé le haut-parleur en fait. Ouais, bah, je sais pas, mais voilà.
chercher le véhicule. Oh. Ouais, c'est pris. Pas terrible hein, les gyros. Ah bah les miens ils ont été réparés, ils fonctionnent très bien. Moi je t'ai vu arriver, ils fonctionnaient pas terrible hein. Bah tant qu'ils éclairent c'est l'essentiel. Ouais mais ils flashent pas comme ils devraient tu vois. Si j'ai bien compris, Lorenzo a dit qu'il allait demander à ce qu'il soit, enfin, à ce que les ampoules soient changées, mais je sais pas quand. Bon, moi je vais récupérer le véhicule immobilisé et après je fais un retour. Ouais, c'est bien pris. Il faudra aller chercher celui de Le Palais aussi. Non, il me rend fou mort de rire. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Bah, je t'expliquerai quand je serai à l'entreprise. Ok, c'est pris. Petite vérification s'impose. Non, lui il est pas mort, donc on va pas le mettre là-bas.
Il est fermé, c'est bon. Il faut me chercher 15 cônes et tout, il faut bien me chercher les panneaux. C'est bon, il est fermé, hop, on trace. Du coup, faut que je remette ça pour savoir exactement. 4 triflash. J'ai pas la place, forcément. On va finir ça, tac. Donc il me manque un tri flash. Donc il me manque un tri flash. Se prendre quelques roues en plus. Hop. On va bon, je fais un retour. C'était un véhicule. C'était un véhicule quoi? C'était un véhicule du SIG. Ah. Ok, là, j'ai mes deux boîtes. J'ai profité pour récupérer un véhicule qui était en plein milieu de route. Ouais, t'as bien fait. D'ailleurs, question, quand il y a ce genre de tempête qui approche sans être annoncé par la météo, les véhicules qui traînent partout, on en fait quoi? Tu les déplaces sur le côté pour éviter l'accident si t'en vois.
Sauf ceux qui sont cassés, tu peux les ramener. Les gens, ils viendront les récupérer, mais ils vont pas en fourrière. Ouais, c'est reçu. Du coup, je me dirige sur le palais. Reçu. T'es sérieux, chaque fois on touche là. Sas Reaper, bonjour. Allô? Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, je vous appelle pour savoir si vous avez moins de venir au CSP de Palais. En fait, j'ai perdu mes clés. Ah. Je vais venir bouger après chez vous. Là, malheureusement, on est un petit peu débordé. Ouais. C'est les clés d'un véhicule de location, c'est ça? Ah. Et puis c'est parce que j'ai été tout un peu bloqué. Que mon mécano il fait grève, on va changer de route aussi. D'ici 15 minutes, pas avant. Ah ouais, donc je sais pas de plus. Vous êtes au niveau du CSP? D'accord, bah écoutez, j'arrive d'ici 15 minutes, grand maximum.
Au revoir. J'ai un mec qui a paumé les clés de son véhicule. Ouais. C'est bizarre. Non, c'est la tempête. Les gendarmes, ça leur a fait le même coup. J'ai dû l'ouvrir le véhicule. Ouais, là c'est au niveau du CSP de Le Palais. Je vais voir si je peux pas passer en retour au niveau de. Quand j'aurai récupéré le véhicule IMO. Ouais. Parce que sinon, le pauvre, il va devoir attendre un bout de temps. Tempête suivante. J'ai récupéré le véhicule immobilisé et je vais essayer de faire le tour pour passer par le CSP histoire de pouvoir lui ouvrir le véhicule quoi. C'est en train de péter sur l'entreprise. Ouais, ça pète aussi sur le palais. Je sais pas ce qui se passe, mais tout est en train d'exploser. Du coup, le véhicule immobilisé que je devais aller chercher, bah, il est explosé. Bah, j'imagine que la mienne aussi. CSP est en train d'exploser aussi. La pergola est pédée, le VPS. Hop, putain, il y a tout qui a pété là. Ouais, je sais pas, il y a tout qui pète là. Sur le palais, c'est une horreur. Je crois que là, ça vient de péter au niveau de. Bah c'est le CSP, voilà, tout le CSP a pété là. Ouais, tout a pété partout. Là, j'ai 1, 2, 3, 4 véhicules de l'APM qui ont explosé. 2 véhicules SP, 3 véhicules civils.
Fast Repair, bonjour. Oui, bonjour. Je vous avais appelé pour. J'ai perdu mes clés au niveau de palais. Oui, vous êtes situé à quel endroit? Ouais, mais vous pouvez annuler parce qu'en fait, il y a un gros gros souci là du coup. Ouais, d'accord. Ouais, on va dire que. Ça fait partie des kabooms que j'ai entendu sur le palais. Ok, alors on a eu le même problème au niveau du garage de Fast Repair, ça a pété partout. Ok, très bien. C'est un peu bizarre ce soir. Hein. Ouais, très bizarre. Bonne soirée à vous. Bonne soirée, au revoir. Bon, du coup, le mec a plus besoin de moi, sa voiture a pété. Ouais. Bah, j'en ai au moins profité pour déplacer un véhicule qui était en plein milieu de la route, quoi. Je sais pas trop ce qui se passe ce soir, mais c'est bizarre. Hein. Ouais, je reviens. Il y a un problème, docteur. Comment ça, il y a un problème? Il y a des palettes qui s'y tuent. Ah. Je suis planté de route en plus. Casse les pieds. J'ai que les clés des véhicules des panneurs, j'ai pas les clés de mes autres véhicules, ni de mes maisons. Ouais, j'ai le même problème. Sur le CSP, ça a l'air d'être à peu près correct.
Ah, oh, c'est un Dawa ici. Oh mon Dieu. Tout est explosé ici. Mon Dieu, c'est un bordel! Aïe 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 aïe. C'est celle-là qui roule? Non, c'est pas celle-là. Celui-là, il est toujours entier. Celui-là il est HS. Pff, ah ouais, ça a tout pété en fait, ça a tout dupliqué. Bon, du coup on va arrêter le live là. Hein.